Bismillahirrahmanirrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara: je ne crains pas pour vous la pauvreté. Ce que je crains vraiment est que ce monde s'ouvre à vous comme il s'est ouvert à vos devanciers, et que vous vous concurrenciez comme l'ont fait ceux qui vous ont précédés, et que vous périssiez à cause de celui-ci comme ont péri vos devanciers. Les biens de ce monde et l'opulence peuvent s'avérer être un mal pour le croyant, car ils peuvent lui porter préjudice. Si l'homme se préoccupe uniquement de son bien-être, cela peut avoir des répercussions sur sa religion et sa spiritualité. De nos jours, les gens sont préoccupés surtout par le matérialisme et le confort. Leur ultime but est d'accumuler un maximum de richesses. Ils donnent la préférence à ce monde alors que la vie future est meilleure et plus durable. Il faut garder à l'esprit la raison de son existence sur terre et ne pas perdre de vue que toutes ces richesses ne sont qu'un moyen et non pas un but. Le Cheikh Ibn Taymiyyah déclara: les biens de ce monde sont tels une monture. Utilisez-les comme tels. Il faut avoir l'argent dans la main et non dans le cœur. Plus la personne convoitera ce monde, plus cela sera au détriment de sa vie future. C'est pour cela que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous mit en garde contre la course aux richesses et nous recommanda de ne pas être obnubilés par cette vie mondaine qui n'est après tout qu'éphémère. Walhamdulillahi rabbil alamin.